chini. Hapa kote tushapiga, tuna advance. Kusumba njoo hii tulishakaba. Advance yangu ilishakaba Busumba. Ndio kilalo ya Busumba hii, watu wanasema no. Adui M23 teroriste tulishakaba. Hapa tuna advance Munyaranda moja kwa moja tutamrudisha kwao. Sisi tunaomba wakongomani kutuombea na kutupatia baraka mingi. Paske ni nchi yetu. Hatuna kitu kingine. Hatutapigania kingine. Injo nchi watatetu walituachiaka. Baka tunyanganya nchi hatuna ingine. Na njoko mana kukufa, kupono, takufa na silapu mkono juu ya nchi. Huku hali na katala, tena hali na katala huku. Huku Burungu hali na katala. Hali na katala, manake hapa tuye kama tena ninini, tena huku mbele tena. Hapa tunashimama hapa. Na tunajitu napita kichanga kidogo. Tunashimama hapa, me hewa na katala tena huku mbele kwa tuliko naendea. Tunakasa tufai nini, basi ile njio hali. Watu kona jideplase, wanendanga mbuza kichanga. Hatu yule nilutakua tena huku hatuyue. Ile njio hewa ya kwa ya mwia subui, njio hewa ya mwia subui. Okay. Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live TV. Merci de nous suivre de partout en République démocratique du Congo. Jeudi 5 septembre 2023, Espoir Minouka, bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs. Du courage à tous ceux-là qui se battent pour que la RDC puisse recouvrer sa souveraineté nationale et internationale. Je vous vois sourire ce matin comme si vous avez une bonne nouvelle. Non, la bonne nouvelle est que nos jeunes se comportent très bien sur toutes les lignes de front. Et aussi, la bonne nouvelle est que la RDC, vous savez, ça faisait un bon moment où la République n'avait plus des avions, mais actuellement quand même, nous l'avions appris qu'il y aurait des avions. Pourquoi ne pas sourire? Des avions? Exactement. Il faut quoi? Non, vous savez, la société congolaise Congo Airways était déjà presque en faillite. Mais nous avions appris que la République aurait acheté 7 avions dont 2 avions seraient déjà sur terre. C'est ce qui fait quand même la joie de... On s'est concentré sur ce qui se passe ici depuis avant-hier, depuis le week-end d'ailleurs, depuis la semaine dernière, des violents affrontements en tout cas. En fait, je le disais toujours que ces aventuriers terroristes rwandais 1-23, c'est un serpent mort. Nous ne craignons que des personnes qui ne peuvent absolument rien. Regardez, dans trois jours de combat, les jeunes venaient de récupérer plus de 10 contrées qui occupaient ces terroristes rwandais. Plus de 10 positions dans 3 jours. C'est la preuve que si... On les combattait sérieusement avant ces terroristes, donc ils ne devraient même franchir, ils ne devraient même pas quitter Tchanzu. Mais comme il y avait une mauvaise politique et que quand les jeunes avançaient, on leur disait de reculer en arrière, comme ils ont dit, nous n'allons plus écouter quelqu'un puisque nous comprenons qu'il y a Yangui Souroche, nous allons avancer. Et les jeunes avancent. Ils sont en train de corriger ces Rwandais, ces envahisseurs. À l'heure où on vous parle ici, les jeunes sont encore sur toutes les lignes de front. Nous apprenons que Kichanga est déjà sous contrôle des Wazalens. Exactement. Kichanga et ses environs est passé depuis hier à 19h50. Depuis hier à 19h50, Kichanga est passé sous contrôle de nos compatriotes
jeunes résistants Wazalendo. Et nous leur félicitons, nous leur envoyons nos remerciements, nous leur disons que nous sommes de cœur ensemble avec eux. Nous faisons ce que nous pouvons comme civils et aussi font ce qu'ils peuvent comme militaires. Et vous savez quelque chose qui est étonnant est que lorsque nos compatriotes sont arrivés aux alentours de Kichanga, mais ces envahisseurs commençaient à se retirer eux-mêmes et la population les arrête. La population, je vous dis. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, la collaboration civilo-militaire, c'est une réponse à cette guerre d'agression, à cette guerre d'envahissement dont la RDC est victime. Kichanga, c'est stratégique. Exactement. Bientôt, là, nous allons ouvrir même, puisque nous allons progresser jusque dans les routures. Mais je vous dis, quand on est déjà à Kichanga, on est on avance, c'est à quelques kilomètres, exactement, à quelques kilomètres où il y a Routchourou déjà. Et nous allons passer par là et nous allons atteindre Routchourou. Nous appelons même les jeunes qui sont ici à Nyiragongo de commencer les feux, de ne plus observer. Puisqu'il y a ceux-là qui sont à Nyiragongo, ceux-là qui sont à Masisi, ceux-là qui sont à Routchourou. C'est comme à Masisi, on a déjà... les jeunes ont déjà commencé. On appelle ceux-là qui sont à Routchourou de commencer, ceux-là qui sont à Nyiragongo, commencer une fois pour toutes, qu'on chasse l'ennemi, que nous puissions libérer la terre de nos ancêtres, que nous puissions libérer notre héritage commun. Depuis 4h30 de ce jeudi, d'intenses affrontements ont repris dans les territoires de Masisi au niveau d'Entouro, Kiloliwe, chez Tonga, à quelques mètres de l'entrée de la ferme de Rujugiro envers Magera. Ces affrontements qui sont en cours opposent les M23, disons les M23, les jeunes résistants. Voilà, mais nous apprenons en tout cas que suite à ces jours-là, les affrontements qui ont repris ce matin, les sources locales affirment que les Wazalendo ont pris la cité stratégique de Kichanga lors des combats de Kichanga. Mais il faut rappeler également, lors des affrontements d'hier mercredi, les jeunes résistants ont annoncé avoir pris plusieurs autres zones dans les territoires de Masisi. Exactement. Nous avions vu même la vidéo du grand frère Guido. Guido plutôt. Guido que nous avions vu. Il était vraiment très très en colère, mais il célébrait quand même la victoire. Je crois que ce sont des images qui seront balancées, si je ne m'abuse, pour montrer à nos compatriotes comment est-ce que nos jeunes révoltés avancent. Vous savez, les gens ne comprennent pas. Quand cette fameuse force régionale EAC, quand ils disaient aux gens, non, les M23 se sont retirés, mais voilà, si les M23 se sont retirés, pourquoi les jeunes se battent? Voyez-vous, c'est que cette guerre de révolte populaire commence à mettre en exergue tout ce qui était caché comme mensonge. Puisqu'on nous mentait que ces terroristes rwandais se sont déjà retirés. Or, ces terroristes étaient toujours sur leur position. Et nous, on s'opposait toujours au discours et au dire de l'EAC. Puisqu'on comprend que l'EAC cherchait à faire cohabiter ces terroristes rwandais et la population. Or, nous, on ne peut pas accepter de cohabiter avec quelqu'un qui est venu avec les armes dans les buts et objectifs de nous exterminer, dans les buts et objectifs de nous dominer, voyez-vous. On ne peut pas accepter que nous sommes chez nous, mais nous sommes devenus les étrangers chez nous. Est-ce que ça s'explique? Ça ne peut pas s'expliquer. C'est pourquoi nous demandons à tout citoyen congolais, avec tout ce que vous pouvez, si c'est prier, si c'est combattre, si c'est contribuer pour que la terre de nos ancêtres soit libérée. Nous n'avons pas autre pays que la République démocratique du Congo. Nous, la province Nord Kivu est composée de 6 territoires plus la ville de Goma. Et aujourd'hui, nous ne restons qu'avec 4 territoires plus la ville. On ne peut pas accepter. Et nos compatriotes propriétaires de ces territoires, où est-ce qu'ils vont aller? On ne peut pas accepter que nos compatriotes puissent devenir des esclaves, des envahisseurs. C'est révolu. Mais la question, pourquoi dans des zones où on voit la présence des Burundais, c'est là où ça évolue vite, vite, mais dans les Routchourou, Kibumba, là où il y a les Kenyans, les Sud-Soudanais, les Ougandais,
rien ne marche. Oui. Non, nous devons comprendre que nous avons une même histoire entre les Burundais et les Congolais. Deuxièmement, vous savez, ça s'est dit, et Muntu se sent fort quand il est à côté de son frère Muntu. Voyez-vous, c'est tout à fait normal. Mais aussi, vous devez comprendre que les Kenyans, c'est eux qui étaient les tout premiers à porter secours aux terroristes rwandais M23, RDF. Et vous devez comprendre, les Ougandais, ils ont des coalitions. Et ils disent aux M23, combattez, avancez, nous allons changer de borne. Et il y a des preuves à l'appui. Comment est-ce que les Ougandais commencent à déplacer nos bornes pour installer les leurs? C'est grâce à quoi? C'est grâce à cette guerre d'agression, voyez-vous. C'est que nous avons beaucoup d'agresseurs, mais ceux-là qui se font passer les devants comme des mercenaires, c'est ces agresseurs rwandais. Mais les Ougandais font partie de ceux-là qui nous agressent. Les Kenyans font partie de ceux-là qui nous font des bons yeux. Or, ce sont des hypocrites. Mais attendez, les circonstances vont aussi leur imposer à changer. Et ça, vous allez le voir. Quand les jeunes vont progresser jusque dans les Masisi, si même les assez se met devant, on tape. Je vous dis. Comment ça? Vous l'avez appris. Aujourd'hui, qu'est-ce que font les militaires de l'EAC? Aujourd'hui, ils sont très, très déterminés dans l'exploitation du bois dans les dans notre pays. Non, et les Kenyans aussi. Les Ougandais et les Kenyans. Ils ont amené leurs machinistes en provenance de l'Ouganda. Ils sont en train d'abattre nos bois rouges ici dans notre parc. Ici. Et vous l'avez appris. Comment est-ce qu'un militaire ougandais s'est donné la mort ici? Tout simplement puisque ils se sont livrés à la débauche et aujourd'hui ils commettent des viols sur nos filles dans les Rutshuru. Et malheureusement, un aventurier ougandais avait violé une fille quelques mois après, quand ils ont fait les tests. Le militaire s'est raconté qu'il est affecté, il est atteint par le VIH-Sida. Il s'est donné la mort. Pourquoi les ASN, ils n'ont pas dit ça? Ils ne pouvaient pas dire ça puisque ce n'était pas ça leur mission. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu d'aider la République à mettre l'ennemi à l'extérieur, comme ils sont dans le business, ils préfèrent que la guerre puisse persister. Puisque tant que la guerre persiste, eux, c'est bénéfique pour eux. C'est du business pour eux. Et nous, la jeunesse, nous avions dit niet. On ne peut pas accepter que les étrangers puissent se mouvoir chez nous, que les étrangers puissent rester les propriétaires de nos biens et que nous, on souffre. Imaginez, un jeune ne pouvait pas couper l'arbre ici dans le parc de Virunga. Vous allez vous heurter avec des merodes. Mais aujourd'hui, des merodes cohabitent avec eux. Il les nourrit, il fait tout ce qu'il faut pour eux. Et ils coupent nos arbres comme ils veulent. Les jeunes ont dit, nous devons protéger notre biodiversité. Et ce qui fait la fierté de la province Nord Kivu, c'est aussi le parc de Virunga. Et nous, on ne veut pas que ce parc soit détruit par les étrangers qui étaient venus et qui étaient censés aider la République démocratique du Congo. On a compris qu'il y a un grand complot. Comme il y a un grand complot, les jeunes, prenez tout ce que nous avons. Si nous avons même une fourchette de cuisine, utilisons ça. L'essentiel, c'est de fixer l'ennemi et de le pousser à la petite porte. Vous allez le pousser à la petite porte. Mais on a déjà commencé. Mais est-ce que cette fois-ci, les jeunes ne vont plus lâcher? Non, les jeunes n'ont jamais lâché. Ils n'ont jamais lâché. Si les jeunes avaient lâché, ils ne devraient plus revenir pour combattre. Les jeunes s'organisaient. Et les jeunes, ils étaient victimes aussi de la mauvaise politique des opérations. Nous sommes dans les cessez-le-feu. Oui, vous êtes les militaires. Mais nous sommes chez nous. Même si vous êtes aussi des militaires, c'est chez vous, oui, puisque vous êtes tous Congolais. C'est votre devoir de nous protéger. Mais on ne peut pas accepter que nous observons les cessez-le-feu et voir un agresseur violer ma petite soeur. Au nom de cessez-le-feu, jamais ça, vous ne le verrez plus. Ça, vous ne le verrez plus. On revient sur la situation d'hier. Des affrontements, des violents affrontements ont été signalés mercredi entre les groupes armés locaux et les rebelles du M23 dans la région de Burungu, dans les groupements de Bachali Mokoto, en territoire de Masisi. C'est environ 15 km au sud de Kichanga. Plusieurs sources locales ont affirmé que ces attaques simultanées ont été lancées tôt le matin depuis la colline stratégique de Dalingi, Burungu Centre, ainsi que depuis Mihanga à Nyamimi.
Mitaba. C'est sûr, ça affirme que ce sont les groupes armés locaux qui ont attaqué les rebelles du M23 et ont réussi à couper la route, à couper l'axe routier au niveau de Rouchébéché qu'ils contrôlent jusqu'à mercredi soir. Ouais, vous savez, comme je l'ai dit, quand ces terroristes étaient venus, ils se sont emparés de collines très très stratégiques qui peuvent vous permettre, vous êtes sur cette colline, mais vous allez frapper dans des contrées où il y a beaucoup de population. Et c'était le cas de Ndalingi, c'est une colline où vraiment si vous y installez votre arme fatale, je vous dis, que même n'importe qui ne peut plus vous attendre, vous éteindre, voyez-vous. Heureusement, les jeunes aussi, étant les jeunes du terroir, étant les jeunes qui maîtrisent même les trous des rangs, ils ont tout fait pour chasser ces Rwandais envahisseurs sur cette colline. Et il y a beaucoup d'autres collines qu'ils ont déjà récupérées et ils avancent. L'essentiel, comme ils ont déjà récupéré Kichanga, c'est comme un carrefour. Si vous êtes à Kichanga, vous avez l'accès d'aller dans les Grands Nord, vous avez l'accès d'aller à Rutshuru, vous avez l'accès d'aller dans les Masisi Centre. C'est que lorsque vous êtes à Kichanga, vous êtes au carrefour. Et comme nous l'avions déjà récupéré, nous avions déjà récupéré les alentours de Kichanga, pourquoi pas demain, après-demain, les jeunes ne vont pas récupérer même Kiwanja. Mais la question, vous aviez suivi les phares d'essai hier, parce que l'armée a vite communiqué. Il y a d'abord le M23 qui a accusé l'armée d'avoir attaqué leur position. Il y a l'armée qui a fait un communiqué pour démentir. S'il faut revenir sur ce communiqué, il faut préciser qu'en tout cas, par rapport aux affrontements, les FARDC informent qu'elles ne sont pas concernées ni de près ni de loin, car elles continuent à observer les cessez-le-feu comme l'exigent les accords des chefs d'État de la sous-région. Communiqué. Ouais, c'est pourquoi je vous dis, les terroristes rwandais, pour eux, ce qu'ils sont en train de recevoir comme leçon, ils ne s'attendaient pas à ça. Et les jeunes combattent d'une manière professionnelle. Et quand les jeunes combattent d'une manière professionnelle, ces terroristes rwandais, ils se disent, peut-être ce sont les jeunes militaires-là qui étaient partis en formation en Israël, en Égypte, certains qui sont au Ghana, ils pensent que non, ce sont ces jeunes qui sont de retour. Or, ce n'est pas eux. Notre armée, je l'ai toujours dit, c'est une armée disciplinée qui respecte les cessez-le-feu. Et c'est une armée qui ne peut pas passer outre que ce qu'a décidé le commandant suprême qui est le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Mais les jeunes, on ne peut pas accepter. L'armée croise les bras en train de respecter les cessez-le-feu, l'ennemi viole, l'ennemi pille, l'ennemi avance, et que les jeunes du terroir puissent accepter. Non. Les jeunes, eux, ont dit, l'armée, ce que nous allons faire, vraiment, c'est contraire à vos décisions. Ce que nous allons faire, nous savons que vous êtes sous les cessez-le-feu, et vous devez les respecter, mais nous allons combattre. Nous savons que ces jeunes qui combattent, c'est contre les grès des autorités, puisqu'elles voulaient voir certaines autorités, voulaient voir les cessez-le-feu être respectés dans tous les sens, que ce soit la population, que ce soit eux. Mais les jeunes ont dit, chers parents, si vous allez vous fâcher, mais nous allons libérer nos terres. Et les jeunes étaient obligés de les faire, puisque vous ne pouvez pas accepter, peut-être nos amis qui vivent à Kinshasa, qui n'ont jamais vécu ça, un Rwandais. Un Rwandais agresseur M23 arrive chez vous, il viole ta soeur, ta mère, et toi tu croises les bras. Ça, c'est insupportable, c'est invivable. Et les jeunes ont dit niet, c'est révolu, ce n'est plus le moment. Et par rapport toujours à cette accusation du M23 d'hier, l'armée, dans son communiqué, ajoute, les FARDC considèrent comme manœuvre dilatoire les accusations portées contre elle par le M23 RDF comme les ridicules ne tuent pas. Ces derniers font circuler dans les réseaux sociaux et médias sociaux les informations attribuant les attaques de ce mercredi dans les localités environnantes Kilolure, dans les territoires de Masisi et FARDC. Non, vous savez, nous, on a déjà compris, la guerre a beaucoup de dimensions. C'est pourquoi j'appelle aussi la jeunesse congolaise. Quand même, nous devons voir ce qui se passe au monde. Moi, ça me fait mal quand je vois nos amis à Kinshasa, ils dansent,
Si vous regardez sur les réseaux sociaux, le chef de l'État est arrivé, je ne sais pas quoi, bien accueilli. Si vous regardez sur, leur compte Twitter, Fally, c'est le meilleur, c'est l'expert, tout ça. Or, quand vous regardez sur le compte Twitter de ces agresseurs rwandais, plus par, ils se focalisent sur la communication liée à la guerre. Oh, on a récupéré, on a repoussé, on a fait. Or, c'est nous qui les corrigeons. Et c'est là, vous allez voir qui. Cherche à faire connaître cette guerre, c'est là qui cherche à informer la population. Ici, au Nord Kivu, nous ne sommes que moins, nous sommes moins, à part quelques journalistes qui disent la vérité, qui sont aussi taxés, à part c'est Sugira Mireille, à part aussi quelques jeunes, vous voyez. Mais si on peut dénombrer le nombre de ces Rwandais M23 qui sont payés par Kigali, financés par Kigali, ils ont créé des comptes fictifs par Kigali et on l'a appris même qu'ils auraient créé un grand labo, peut-être qu'ils auraient même des robots numériques qui travaillent pour eux dans le but tout simplement à de faire connaître au monde entier qu'ils ont gagné, qu'ils sont massacrés, qu'ils ont quoi. Alors, vous allez voir comme ici à Goma, il y a les Goma 24, les Sugira Mireille, les Top Kivu News, je ne sais pas les qui et qui, au moins une centaine de personnes. Ça, c'est créé par les Rwandais. C'est créé par les Rwandais. Au Congo, vous allez voir, il n'y a que 4 à 20 personnes qui les disent, voyez-vous. Et moi, je crois, nous devons aussi apprendre à communiquer sur ça. Les autorités, s'ils ne veulent pas quand même combattre comme ils observent les cessez-le-feu, mais qu'ils puissent appuyer quand même les jeunes aussi sur le plan communicationnel, qu'ils puissent aussi outiller les jeunes et que les jeunes aussi ne puissions pas attendre que c'est le gouvernement qui va nous outiller pour que nous puissions faire ça. Non, nous devons faire ça au nom du sacrifice suprême. Nous devons essayer de faire connaître le monde comment est-ce que ces barbares, ils violent nos mamans, comment est-ce que ces terroristes, avec leur comportement toujours terroriste, ils tuent même des enfants de moins de 2 ans, des enfants de moins de 10 ans même, merci il les tue. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cet entretien. Message aux forces armées de la RDC. Soutien total à nos vaillants de l'FRDC et aussi soutien total à nos jeunes Ouazalendo résistants, ceux-là qui acceptent de combattre. Nous savons, d'après tout, que notre armée n'a pas échoué. Notre armée, ce qui les empêche de combattre, c'est puisqu'ils sont sous les cessez-le-feu. Mais à part ces cessez-le-feu, il devrait déjà avoir mis l'ennemi à l'extérieur. Mais aussi, nous devons toujours les soutenir, puisque je suis sûr et certain que dans les jours à venir, il y aura un autre discours qui sera contraire au cessez-le-feu. L'essentiel, gardons toujours notre morale, soutenons ceux-là qui sont déjà sur les lignes de front, soutenons ceux-là qui sont sous formation, soutenons toujours notre phare d'essai. C'est ensemble qu'on va mettre l'ennemi à l'extérieur. Merci. Mesdames et messieurs, merci. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Merci beaucoup, espoir. Bonne journée. Merci.